divorce, señor. ¿Dónde está mi equipaje? No comprendo, señor. Favor de pasar por aquí. J'étais persuadé d'avoir appris la bonne prononciation. Mais quand j'ai testé mon guide de conversation à l'aéroport de Maracaibo, personne n'a compris un mot. Je me suis rappelé ce que m'avait dit Créole lors des séances d'information. J'avais travaillé dans un pays étranger pour une compagnie pétrolière américaine, alors je dois me comporter en conséquence, exactement comme Créole. Ici, pour les Vénézuéliens, chacun de nous représente les États-Unis. Les États-Unis ont entrepris de bâtir un empire dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'essentiel de ce travail a été accompli dans l'ombre, par des agents d'influence, comme moi. Les agents de la CIA ne se présentent pas comme des barbouzes ou des espions, encore moins comme des agents de la CIA. Ce sont des attachés commerciaux ou des conseillers politiques auprès de l'ambassade des États-Unis. Ils s'affublent d'un autre titre officiel. En général, ce n'est ni espion ni même agent de la CIA. Pour nous, c'est pareil. Agent d'influence, c'est un terme générique, mais ce n'est pas le genre de titre qu'on écrit sur sa carte de visite. J'avais peur. Je savais que j'aurais affaire à forte partie. J'avais vu les chacals à l'œuvre. La même question revenait toujours. Et si ça m'arrivait à moi? Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Peut-être 20 jours, peut-être 20 ans. Il fallait que je raconte cette histoire. J'étais encore étudiant lorsque j'ai été recruté par l'Agence de sécurité nationale, la plus grande agence de renseignement des États-Unis, sûrement la plus secrète aussi. On m'a fait passer une série de tests, tests de personnalité, détecteurs de mensonges, et on a décrété que j'avais le potentiel nécessaire pour devenir agent d'influence. Puis on m'a fait comprendre que je ne devais même pas songer à faire ce métier, ni même à accepter mon premier poste, si je n'étais pas certain de poursuivre dans cette voie. Parce que, comme on me l'a dit, une fois qu'on y est, c'est pour la vie. Créole avait envoyé un autre ingénieur américain du pétrole à ma rencontre pour qu'il me fasse faire le tour du propriétaire avant de passer au bureau d'ingénieur. Dès mon arrivée, j'ai fait des connaissances. Je me suis tout d'abord arrêté au service administratif, puis je suis allé dans mon bureau. Nous, les agents d'influence, nous avions différentes méthodes de travail. La plus courante consistait à jeter notre dévolu sur un pays du tiers-monde disposant de ressources convoitées par nos entreprises, le pétrole par exemple. Puis à faire en sorte qu'une organisation comme la Banque mondiale lui octroie un prêt faramineux. Le gros de cette somme tombait directement dans l'escarcelle d'une entreprise américaine de construction, par exemple comme Bechtel ou Halliburton.
Cette dernière se chargeait alors de mettre en œuvre dans ledit pays du tiers-monde des projets de construction colossaux, comme des centrales électriques, des parcs industriels ou des ports. Une fois que Chesty Mann avait signé un contrat avec le gouvernement, mon travail consistait à surévaluer les besoins afin que le prêt soit aussi substantiel que possible. En gros, voilà comment ça marchait. J'ai demandé au chauffeur de me faire visiter Caracas. J'ai visité l'est de la ville, les nouveaux quartiers, là où il y a 10 ans, il n'y avait que des plantations de café et de canne à sucre. Certains quartiers résidentiels sont plutôt futuristes. D'autres, en revanche, sont si calmes et si tranquilles qu'on se croirait dans un autre monde. La cité universitaire est l'un des hauts lieux de Caracas. Encore un exemple de la prospérité dont jouit le Venezuela grâce au pétrole. Le pays se retrouve pris au piège de la dette. Une dette si énorme qu'il est dans l'impossibilité de rembourser. C'est alors que nous, les agents d'influence, nous retournons dans le pays pour dire « Écoutez, puisque vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, rendez-nous service, votez favorablement lors du prochain vote important à l'ONU, ou envoyez-nous des troupes en renfort en Irak, ou mieux encore, vendez-nous votre pétrole pour une bouchée de pain, ou votre main-d'œuvre, ou toute autre ressource susceptible de nous intéresser. » Le système de l'emprunt pour le développement est simple. Vous empruntez de l'argent à la Banque mondiale, puis vous investissez dans cet extraordinaire barrage ou dans cette politique géniale en faveur de la croissance économique, ce qui doit vous permettre de rembourser aisément votre emprunt, voire plus. C'est donc un excellent investissement. Mais bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. De nombreuses régions du monde sont en perte de vitesse. Prenez l'Afrique subsaharienne, par exemple, ou une bonne partie de l'Amérique latine. Elles ont perdu 2 décennies. À bien des égards, 50% à 60% de la population de la plupart des pays d'Amérique latine est toujours aussi pauvre qu'avant, pour ne pas dire plus. Ce qu'on ne vous enseigne pas à l'école, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que donner un coup de pouce à l'économie d'un pays, ça ne veut pas forcément dire aider la population. Parfois, seuls les plus riches en haut de l'échelle en bénéficient. Et c'est comme ça dans tout ce qu'on appelle le tiers-monde. Identificamos un país que tiene recursos nuestras corporaciones desean. Por ejemplo, en los 70s identificamos a Ecuador como un país lleno de petróleo. Yo le pregunto al arrepentido si a un gángster, a un sicario de la CIA, tiene conciencia y por lo tanto tiene credibilidad como para convencer de su arrepentimiento. ¡Hombre! 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 ¡Nombres y datos concretos! Jaime Roldós voulait que l'Équateur s'en sorte tout seul.
Il voulait empêcher les compagnies pétrolières américaines d'aller polluer les terres des autochtones. C'était un type très éclairé et pas particulièrement radical. C'était quelqu'un de bien. Nous l'aimions bien. Pour nous, c'était l'un des meilleurs présidents d'Amérique latine. Sous la présidence de Roldós, le salaire des travailleurs a doublé. Et à ce jour, les travailleurs n'ont toujours pas récupéré leur pouvoir d'achat des années 80. On demandait souvent à mon père s'il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un grand président ou d'un homme brillant, car c'était un homme brillant, extrêmement intelligent. Un jour, il a répondu comme quelqu'un de bon. Una de nuestras principales riquezas es el petróleo. El petróleo constituye hoy el filón principal de la riqueza ecuatoriana. Dès que l'un de ses présidents est élu, il reçoit la visite de l'agent d'influence. Quelqu'un, ça aurait pu être moi, entre dans son bureau et lui dit « Monsieur le Président, je suis venu vous féliciter pour votre élection. Et puis, dans cette poche, j'ai quelques centaines de millions de dollars pour vous et votre famille, si vous acceptez de jouer le jeu. Dans cette autre poche, j'ai un pistolet pour vous abattre si vous décidez de mettre en œuvre vos promesses de campagne. À vous de décider. Mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez de Salvador Allende, d'Arbenz, de Patrice Lumumba et de tel autre. Il y en a toute une liste. Tous ces présidents savent très bien ce qui est arrivé à ceux qui se sont opposés aux diktats des multinationales. Soit ils sont morts, soit ils ont été destitués. Alors, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Posons-nous la question. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? C'est très difficile. Seguiremos defendiendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Lorsque les agents d'influence échouent, on passe à l'étape suivante, celle des chacals. Les chacals, ce sont les tueurs de la CIA qui interviennent pour tenter de fomenter un coup d'État, une révolution. Si ça ne marche pas, ils assassinent, ou du moins ils essaient. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador. ¡Viva la patria! Après l'accident, toute la zone a été bouclée. Même la police équatorienne n'était pas autorisée à y pénétrer. Les seuls autorisés à y entrer, c'était le personnel militaire américain et quelques militaires équatoriens de haut rang. La police locale n'y avait pas accès. Plusieurs témoins clés qui s'apprêtaient à témoigner lors des audiences et à dire qu'il s'agissait bel et bien d'un assassinat sont morts dans des accidents de la route en Équateur. C'était des Équatoriens. Le gouvernement suivant s'est empressé de classer l'affaire.
de cerrar el caso. Se hizo l'enquête n'a duré qu'une semaine. Une semaine. Au bout d'une semaine, on a publié un rapport établissant qu'il s'agissait d'un accident. En réalité, c'était une farce. Une farce. On nous a privés, nous, leurs enfants, leurs familles, et tout le pays avec nous, de la possibilité de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est ce qu'on peut faire de pire à quelqu'un, le priver de la vérité. Parce que du coup, c'est impossible de tourner la page. Ça reste toujours présent, en quelque sorte. Pour moi, il y aura toujours un doute. Je chercherai toujours à savoir ce qui s'est réellement passé. Le discours de Torrijos, sa rhétorique, ressemble à s'y méprendre à ceux de Chavez ou d'Allende, et sont très semblables à ceux de Jaime Roldós. Sauf que lui, il réclamait un traité sur le canal. Il exigeait que le canal revienne en main panaméenne et que la souveraineté du Panama soit respectée. En gros, il a dit non aux États-Unis. Il leur a dit, nous n'allons plus faire les choses à votre manière. Ce canal appartient au peuple panaméen, il coupe notre pays en deux, nous voulons le récupérer. Rien de plus normal. En disant cela, il a fait la fierté des Panaméens, qui ont changé du tout au tout. Il leur a remonté le moral. La présence de 50 000 Américains ici, dans la zone du canal, a toujours été un sujet délicat pour le Panama. Torrijos a exigé, sans encore tenter de l'imposer, la souveraineté panaméenne sur la zone. Il a déclaré, si nous devons mourir, nous mourrons pour libérer notre pays. On m'a envoyé au Panama pour convaincre Torrijos, pour le rallier à notre cause. Il a refusé. Il me l'a dit en toute franchise. Je sais très bien que si j'accepte, je deviendrai très riche, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux aider les pauvres de mon pays. We are here
Nous sommes ici pour signer des traités qui garantiront un avenir pacifique, prospère et sûr à une voie navigable internationale qui nous tient particulièrement à cœur à tous. Mais ces traités font bien plus que cela. Ils démontrent la conviction des États-Unis que seule l'équité et non la force devrait animer nos discussions avec les nations du monde. Les États-Unis, à la pointe de la technologie, ont coupé le Panama en deux et réussi à relier deux océans en 8 heures de traversée. Mais ce qui, à l'origine, devait être un progrès technologique pour l'humanité, s'est transformé en conquête coloniale de notre pays, grâce à certains revers de l'histoire. C'était une terrible corvée pour moi. Je savais que si je n'arrivais pas à le corrompre, je ne voulais pas vraiment corrompre Tori Ross, parce que j'admirais son courage et son honnêteté, sa détermination à aider les pauvres de son pays. Je l'admirais pour ça. Mais par ailleurs, c'était mon boulot de le corrompre. J'avais l'impression que si je n'y arrivais pas, les chacals interviendraient et qu'il lui arriverait quelque chose de bien pire. Ma présence ici, en compagnie des dirigeants et des hommes d'État de tout l'hémisphère, marque la fin de nombreuses batailles menées par des générations de patriotes panaméens. Moi, Ronald Reagan, je promets solennellement d'accomplir fidèlement mon mandat de président des États-Unis. Le climat politique a changé en Amérique latine. Carter était proche de nous. Il a fait régner un climat de démocratie, mais pas Ronald Reagan. Édition spéciale du bulletin d'information. Nous apprenons la mort à l'âge de 52 ans du président panaméen, le général Omar Torrijos Herrera. L'homme fort du Panama s'est tué dans l'accident d'un avion des forces aériennes panaméennes qui s'est écrasé sur le flanc d'une montagne au cours d'une violente tempête dans l'ouest du pays. Son pilote ainsi que 5 autres passagers non identifiés se trouvaient à bord avec lui. Il n'y a pas de survivants. J'étais effondré en apprenant la nouvelle de la mort de Tori Ross. J'étais très triste. À titre personnel, j'admirais cet homme. Il était drôle, charismatique. Je l'aimais bien. J'étais aussi très triste à cause de ce qu'il représentait, à cause du symbole. J'étais très choqué de savoir de quoi mon pays était capable. This is what my country does. Le général Tori Ross est le deuxième président latino-américain à mourir dans un accident d'avion au cours des 3 derniers mois. Certains le maintiennent, il ne s'agissait pas juste d'accident d'avion, mais de mise en scène politique. Nous n'en avons pas la preuve, enfin moi je ne le sais pas. Mais disons qu'il ne serait pas incongru d'imaginer qu'il ne s'agissait pas d'accidents naturels. Il y a eu toute une série d'accidents d'avions politiques en Amérique latine. En fait, si vous êtes un homme politique latino-américain, prenez plutôt le train. Dès le début, mon travail d'agent d'influence m'a donné mauvaise conscience. J'étais déchiré. J'ai commencé à mener la belle vie, c'est vrai. Je voyageais toujours en première classe. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à cautionner tout ça. Je savais que ce que nous faisions était très mal, et ça n'allait pas dans l'intérêt de l'humanité, ni dans l'intérêt de l'avenir des États-Unis. Bien au contraire. Mais peu à peu, je l'ai accepté.
Par la suite, on a tenté de m'acheter. On m'a menacé aussi au cas où je parlerais. J'ai compris que si on savait que je m'apprêtais à dévoiler ce que nous avions fait, je devrais en payer les conséquences. À cette époque, on m'a aussi proposé près d'un demi-million de dollars pour que je n'écrive pas ce livre. J'ai donc succombé à ce cocktail de pots de vin et de menaces. Certains ont bâti leur carrière politique sur la mort de mon père. Ils ont mis les cadavres au placard au nom de la bonne gouvernance. À tel point que nous sommes devenus un pays ingouvernable depuis quelques années. L'élimination de Roldós a été un avertissement au futur président de l'Équateur, qui savent à quoi s'en tenir lorsqu'ils reçoivent la visite d'un agent d'influence. Vous avez le choix entre quelques millions de dollars pour vous et votre famille et cette balle. Ils sont tentés de dire, d'accord, j'accepte. Je pourrais peut-être faire quelque chose de bien tout en m'enrichissant moi et ma famille. Et personne ne fera mieux que moi. Plus de 50%. Plus de 50% du budget servait à couvrir la dette extérieure. Pendant cette période, ça a été une véritable épée de Damoclès. Un éternel chantage de la part du FMI et de la Banque mondiale pour que nous mettions en œuvre des politiques extrêmement impopulaires. La dollarisation a été un véritable hold-up, une vaste escroquerie à l'échelon national. Esto es una parte del plan.
Esto es lo que pasó en Irak. Nous avons fourni beaucoup d'argent à Saddam Hussein, ainsi que des armes. En fait, c'est nous qui l'avons placé au pouvoir. Nous lui avons avancé des milliards de dollars. Nous lui avons construit des usines chimiques, tout en sachant que ces usines servaient à produire des armes chimiques qui seraient utilisées contre les Kurdes et les Iraniens. Pourtant, nous avons continué à le soutenir. Les agents d'influence sont allés le voir pour essayer de le convaincre d'accepter un marché semblable à celui que nous avions conclu avec les Saoudiens. Un des signes qui montrait que la relation ne fonctionnait pas avec Saddam Hussein, c'est quand Bechtel a essayé de faire construire un pipeline afin d'acheminer le pétrole irakien depuis le port d'Aqaba en Jordanie. Bechtel a construit l'oléoduc et Saddam Hussein a dit non. Et le fait qu'il ait dit non à cet énorme contrat démontrait bien que ce type n'allait pas coopérer comme nous le voulions. S'il avait accepté le marché, il serait toujours président, mais il a refusé. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être juste parce qu'il était têtu ou fou. Je ne sais pas pourquoi il a refusé, mais c'est comme ça. Alors nous lui avons envoyé les chacals. Nous avons envoyé plusieurs équipes de la CIA sur place. J'en dirigeais une pour voir si un coup d'État était envisageable. Nous sommes allés sur place, nous avons traversé la frontière. Nous avons pris contact avec des officiers militaires en janvier 1995 qui nous ont dit que oui, un coup d'État était envisageable. Le projet s'est concrétisé. Prendre une compagnie de tanks, cerner la résidence de Saddam dans la petite ville d'Arjad, le contraindre à démissionner, l'arrêter ou le tuer. Mais ça n'a pas marché. Assassiner Saddam Hussein était trop risqué. Il y avait trop de doublures, de sosies. Même ses propres gardes du corps ne savaient pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre qu'il protégeait. Nous avons donc fait intervenir l'armée en dernier recours. D'abord les agents d'influence, ensuite s'ils échouent, les chacals, et enfin s'ils échouent aussi, le dernier recours, c'est l'armée. Monsieur le Président, chers membres du comité, les femmes et les hommes d'exception qui portent l'uniforme de l'armée des États-Unis ont déjà accompli de grandes choses en Irak. Mais leur travail ne s'arrête pas là. À nous maintenant de terminer le travail qu'ils ont si noblement commencé. Nous le devons à ces grands Américains, à nos partenaires irakiens et de la coalition, et en fait, nous le devons à nous-mêmes et au monde entier. Paul Wolfowitz, c'est l'homme qui a passé le plus clair de sa vie à essayer de trouver le moyen de renverser Saddam Hussein. Nous avons donc envoyé l'armée et nous nous en sommes bel et bien débarrassés. Ah,
Il serait faux de dire qu'il n'existait aucun plan pour l'après-invasion de l'Irak. Au contraire, il y avait un plan très clair. Rétablir l'économie pour garantir la transition d'une économie fermée aux entreprises étrangères vers une économie accueillant à bras ouverts ces mêmes entreprises. Ils se sont servis d'avions cargo américains pour transporter 144 palettes chargées de billets de 100 dollars. Des tonnes de billets de banque américains ont été acheminés là-bas par avion. Comme son nom l'indique, l'argent du Fonds pour le développement de l'Irak devait servir l'économie irakienne. L'autorité provisoire de la coalition, c'est-à-dire le gouvernement souverain de l'Irak, s'est chargée d'administrer ces fonds pour le compte du peuple irakien. Nous les avons réinvestis dans des projets de reconstruction du pays pour aider le peuple. Telle était l'intention, le cas de figure idéal. En fait, le système a pris l'eau de toutes parts. Je revois encore ces 2 millions de dollars posés sur la table et ces trois hauts responsables du gouvernement à Bagdad qui ne faisaient que de distribuer l'argent, rien d'autre que de distribuer l'argent à longueur de journée. C'était des billets de 100 dollars flambant neufs, tous emballés dans du film plastique. Ils étaient empilés par paquets de 100 000 dollars. Ils ont pris 1000 billets de 100 dollars, les ont mis sous cellophane et ils se les lançaient les uns aux autres comme un ballon de football américain. Ils se faisaient des passes. Moi aussi, j'ai joué. Avec l'emballage cellophane, ça donnait quelque chose comme ça à peu près, de la taille d'un petit ballon de football américain. Nous étions dans notre bureau et nous nous amusions à nous faire des passes avec des paquets de 100 000 dollars, à les attraper, à marquer des points. Nous avons fait une mini-partie de football américain avec des billets de banque en attendant qu'on vienne les chercher. Au cours des 18 premiers mois de l'occupation, 18 milliards de dollars du Fonds pour le développement de l'Irak ont été dépensés sous la supervision de l'autorité provisoire de la coalition. La moitié de cette somme, soit 9 milliards de dollars, a disparu. Personne ne sait où elle se trouve, personne ne sait ce qu'il est advenu de cette somme. Personne ne sait avec précision combien d'argent irakien a été consacré à la reconstruction. C'est un trou noir. On ignore à qui cet argent a été versé ou pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que près de 9 milliards de dollars ont été égarés pendant les premiers mois de l'occupation. Tu les filmes ? Tu veux de l'eau ? Continue de courir, c'est bien. Tu filmes ? Je les ai, oui. Cours, tu y es presque. Tu le vois ? Je le vois, oui. Dépêche-toi si t'en veux. Il va courir pendant 3 km. Il s'arrêtera jamais.
en veut vraiment. Il l'a même pas eu. J'ai beaucoup apprécié que les leaders du monde répondent à mes coups de fil quand j'ai voulu leur expliquer pourquoi je pensais que Paul ferait un excellent président de la Banque mondiale. C'est un homme d'expérience. Il a participé à la gestion d'une grande organisation. Le Pentagone est une grande organisation, la Banque mondiale aussi. Il a participé à la gestion de cette organisation. C'est un diplomate chevronné. Et Paul est très engagé en faveur du développement. C'est un homme bon, plein de compassion, qui fera de l'excellent travail à la Banque mondiale. Je crois profondément en la mission passionnante de la Banque mondiale. La possibilité d'aider 1 milliard de personnes qui gagnent moins d'$1 par jour à sortir de la pauvreté, et des milliards d'autres qui vivent dans une situation de précarité, les faire bénéficier de l'égalité des chances dans la vie, est une formidable responsabilité et un véritable défi. En fait, ce sont des hommes de main de la finance. Ils ont dilapidé 20 milliards de dollars du fonds destiné à l'Irak de façon totalement irresponsable. Et aujourd'hui, l'Irak affronte des difficultés financières et croule sous les dettes. À mon avis, tout cela convient dans une certaine mesure au gouvernement américain, car pour que l'Irak obtienne un crédit et le soutien du FMI sous forme d'investissement, il doit remplir un certain nombre de conditions, dont l'une est la privatisation de son pétrole. En décembre 2005, le Fonds monétaire international a signé un accord avec le gouvernement irakien en vue d'annuler une partie de la dette extérieure de l'Irak. L'une des conditions fixées par le FMI était la promulgation par le gouvernement irakien d'une loi avant la fin 2006, faisant passer l'industrie pétrolière du secteur public, dont elle dépendait depuis près de 30 ans, au secteur privé, c'est-à-dire les multinationales. Voilà comment les choses se sont passées. Nous vous offrons un programme d'ajustement structurel, et en contrepartie, vous libéralisez, vous déréglementez, vous privatisez votre économie. Et l'argent que nous vous donnons sera ensuite utilisé pour le remboursement de la dette auprès de nos banques commerciales. Certaines choses sont vraiment claires et nettes. Il est évident que notre objectif est la réduction de la pauvreté. Il est clair que notre objectif est de renforcer notre capacité à fournir des ressources utilisables afin de ne pas avoir à réduire les crédits. Je sais que l'année passée, nos crédits ont atteint des niveaux records, mais ils doivent encore augmenter, alors nous devons solliciter davantage nos bailleurs de fonds. He's a man of his word, on that we can't depend. So be prepared for prosperity, it's coming to your door. 'Cause there will be no poverty once we kill off all the poor. Last week he was bombing cities, now he's a financier. Pay your debts or say goodbye, Paul Wolfowitz is here. He'll lead us to freedom, and we will be so glad. Just like those choppers in that market in downtown Baghdad. Last week he was bombing cities, now he's a financier. Pay your debts or say goodbye, Paul Wolfowitz is here. Il y a 100 ans, le remboursement de la dette provoquait la crise dans des pays comme le Venezuela.
Les États-Unis, l'Allemagne et la France envoyaient leurs canonnières pour se faire rembourser. C'est donc une vieille histoire, sauf qu'aujourd'hui, c'est le FMI et la Banque mondiale qui prennent leur lait. Plus besoin d'envoyer les canonnières ou l'armée. Il suffit de mandater le FMI et la Banque mondiale pour se faire rembourser. Bienvenue au Guatemala. Je suis très content d'être là. Aucune mafia au monde n'a autant d'influence. Americans are asking, why do they hate us? Le tournant pour moi, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, ça a été le 11 septembre. Peu après le 11 septembre, je suis allé sur le site du World Trade Center à New York. J'étais là, debout, devant cette fosse fumante, ça sentait encore la chair brûlée. Cette expérience m'a beaucoup ému. C'est en regardant ce terrible cratère que j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité dans ce qui arrivait. Oussama Ben Laden a beau être un tueur qui mérite d'être traduit en justice, le fait est qu'une bonne partie du monde le considère comme un héros. J'ai compris ce jour-là, en regardant cette effroyable fosse où s'est érigé autrefois le World Trade Center, que je devais raconter cette histoire, qu'il fallait que je révèle ce que nous faisons depuis une cinquantaine d'années, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis aperçu que les Américains ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un avait pu faire ce que Oussama Ben Laden avait fait, et que nous avions besoin de comprendre. Il fallait que ce soit clair. J'avais peur. Je savais que j'allais avoir affaire à forte partie. J'étais un agent d'influence, j'avais vu les chacals à l'œuvre. Alors j'étais très inquiet. J'étais inquiet pour mon intégrité physique aussi, et celle de ma famille. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Peut-être 20 jours, peut-être 20 ans, mais guère plus. Dans 20 ans, j'aurai 80 ans. Je vivrai peut-être encore un peu, mais il ne me reste plus beaucoup de temps en tant qu'écrivain, en tant que membre productif de la société. J'ai donc décidé de consacrer le reste de ma vie, quelle qu'en soit la durée, à faire de ce monde un monde meilleur pour ma fille et pour ses frères et sœurs aux quatre coins du monde. C'est mon devoir. Alors quoi qu'il m'en coûte, je me dois d'écrire ce livre. C'est le premier pas à franchir. Je travaillais comme agent d'influence au Panama auprès d'Omar Torrijos et en même temps auprès de votre père. Il était très nationaliste, un vrai populiste. Il a juste dit non aux États-Unis. Il a dit, nous n'allons plus faire les choses à votre manière, ce qui a dû choquer Washington. Ce qui me motivait, c'était que je voulais réussir avec Omar Torrijos et que je voulais réussir avec votre père, parce que dans mon esprit, ça revenait à sauver des vies. Quand ils sont morts pour nous, c'était la fin du monde. J'avais 17 ans. Ce qui s'est passé après, je m'en souviens, mais c'est flou.
Des années plus tard, il a fallu que je lise le récit de cette période pour m'en souvenir. J'avais pratiquement rayé cette année de ma mémoire. J'avais presque tout oublié de cette année-là. Il a dit que les ressources équatoriennes devaient servir à aider le peuple équatorien et pas à enrichir des entreprises étrangères. Nous avons donc envoyé les chacals pour l'assassiner. Dans votre livre, vous affirmez que dans le cas d'Omar Torrijos, il y avait un petit magnétophone à bord de l'avion qui contenait une bombe. C'est l'explosion de cette bombe qui l'a tué. Oui. Et je crois que Roldós a connu le même sort. Je vous le rappelle, John Perkins, Le repentir d'un agent d'influence, ce soir à 19h au Théâtre Prométhée, à la Maison de la Culture. Est-ce que vous connaissez le Théâtre Prométhée ? Je n'y suis jamais allé. Il est circulaire, comme un théâtre de la Grèce antique. Vous serez entouré par le public, et chacun pourra vous voir. C'est plutôt symbolique. Vous ne pourrez rien cacher, un peu comme si vous étiez soumis à un détecteur de mensonges. Llamar a la reflexión de que de pronto los países pequeños también somos dignos, de que hay una gran reserva moral en países pequeños como el Ecuador, de que hay una gran reserva moral en cada uno de nosotros y en presidentes como Roldós. Oyendo a estas palabras de Marta Roldós, me puso muy, muy emocionado. Mucha emoción en mi corazón. Tengo que pensar un momento. Aquí en Quito cayó el imperio incaico. Aquí en Quito empezó la caída del imperio español. Y aquí en Quito, el Ecuador, caerá también el imperio norteamericano. Dice, pero es que es elemental. ¿Cómo entendemos? No se necesita tanta filosofía, tantas ideologías para entender de que todos los recursos que están en el territorio ecuatoriano tienen que ser para los 13 millones de ecuatorianos. Yo no entiendo otra cosa. Yo no entiendo. Y que no tiene, dice el señor Parkin, que no tiene que ser para las transnacionales, que ellos viven allá corrompiéndose. Por lo tanto, en esta asamblea que viene, compatriotas, a diferencia de la del 98, en la que se privatizó todo, todos los recursos naturales, la minería, el petróleo, el pueblo, le dejaremos solo y le tocará rendir cuentas a la historia.
decirles además que he venido acá a ofrecer una disculpa para las acciones que mi país y sus corporaciones han tomado. Debo aceptar mi responsabilidad personal por algunos de estos actos. Por todo esto, quiero disculparme.